quelqu'un? C'est quoi ça? Quoi? Stop, stop. Eh hey, gros Jérôme, je te préviens, on récupère juste la lampe et on rentre. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait quoi ce mariage? Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo plutôt très spéciale parce qu'on va risquer notre vie à aller visiter un bunker où il y aurait potentiellement un psychopathe à l'intérieur. Je vous raconte l'histoire de ce bunker. C'est parti. Au beau milieu d'une forêt dense, caché sous les arbres touffus, se trouve un bunker oublié, gardant en ses murs des secrets effrayants. On raconte qu'un psychopathe, échappé de la société, aurait élu domicile dans ce bunker sombre. Les gens du coin disent qu'il se terrait là, semant la terreur dans les parages. Les histoires se sont propagées comme une traînée de poudre, transformant le bunker en endroit terrifiant. Les chuchotements d'une époque ont fait de cet endroit un lieu à éviter, rempli de mystères et de frissons. Pendant des années, les autorités ont tenté de capturer le psychopathe, mais en vain. Certains disent avoir entendu des cris effrayants venant du bunker, d'autres affirment avoir vu des ombres fugaces dans l'obscurité. La disparition du psychopathe n'a fait qu'ajouter au mystère, les recherches ont été abandonnées, mais la peur est restée, imprégnant chaque pierre du bunker. Aujourd'hui, certains aventuriers intrépides osent pénétrer dans les tunnels du bunker, espérant percer ses secrets, mais chaque pas résonne comme un rappel sinistre de la présence du psychopathe fou qui rôde toujours dans l'obscurité, attendant sa prochaine victime. Aujourd'hui, avec Seven et Jérôme, nous allons visiter ce bunker. On est arrivé au bunker, donc on va rentrer doucement, discrètement. On va pas faire trop de bruit, Jérôme. Je vais demander s'il y a quelqu'un au cas où, si la rumeur est vraie. Suis-moi, on y va doucement. Putain, ça fait flipper là. Ouais. On va mettre les lumières là-bas. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a pas de bruit, hein. Je crois la rumeur elle est fausse. T'as entendu? C'était quoi ça? Le bruit d'une pierre, non? Y'a quelqu'un? Pierre. Vas-y la team, on va mettre la lumière. C'est une dinguerie, regarde. C'est quoi ça? Tu penses que ça servait à quoi? Regarde les araignées, tout ça. Ah, wow. C'est chaud ici. Vas-y, viens, on avance un petit peu. Vas-y, let's go. On avance. C'est bien. C'est bien, fais pas trop. Viens, viens avec nous, viens. Et c'est bien, il a pas peur. Ah non, il s'en fout. Tiens, quelqu'un, je lâche Evan, hein. Oui, il y a personne, c'est sûr. De toute façon, moi je suis derrière toi. Moi je te laisse avancer. Vas-y, on passe à la prochaine pièce. Wow. Regarde les débris. C'est une dinguerie. C'est un délire quand même. T'as vu tout ce qui est cassé? La date du psychopathe quand il était énervé. Ah oui, ça date, mais ça date de fou, mais va savoir. Rigole, rigole. Eh, hey, mais toi, tu veux. Même dans un bunker, tu marches du. C'est quoi ça? Et quoi? Attends, bon, attends. Ouais. Stop. Un truc là? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Oh, il y avait une ombre. En fait, je sais pas, je vais me faire un prank dans ma vidéo. T'as ouf ou quoi? Il y avait une ombre, je te dis. T'es juste un psychopathe, quoi. T'es un malade. Il y a personne, gros. Depuis le début, il y a personne. C'est une rumeur, cette histoire. C'est une rumeur. Y'a quelqu'un? La personne, y'a aucun bruit, tu vois. Hé, hey, Jérôme, t'es mon frérot. Ouais. Mais tu crois vraiment t'allais m'avoir là-dessus? Mais tu me prends pas, mais je te jure. T'es vraiment parano. Eh, hey, la team, dites-lui en commentaire qu'il est parano, il n'y avait rien. Dites-lui s'il vous plaît, parce que là, il m'énerve. Eh, hey, je vais pas avoir peur, hein. Prends pas les abonnés, ils vont me voir en mode flippette. Moi, je suis un bonhomme. Seven, il y avait quelqu'un ou quoi? C'est un menteur. Si Seven dit rien, écoute, on va faire confiance à Seven. Bon, un t-shirt, il y a un t-shirt, ce que j'allais dire. C'est le t-shirt du psychopathe, là. Arrête, t'es connerie. Celui que t'as vu. Ouais, rigole. Psychopathe, t'as oublié ton t-shirt. Toi, t'es vraiment fou à prendre ça là. Regarde, il a même oublié son peigne. Rigole. Tu vois, tu joues seulement, c'est le prof USB. Prof USB, allez, viens, on y va. Avec ta tête, là. Ouais, il y a rien. On dirait des mecs du Chantard avec notre. Wouah.
Regarde l'eau au-dessus. C'est une bonne jet là. C'est beaucoup d'eau, c'est une bonne jet. L'eau elle va tomber. Putain! Gros, c'était quoi ça? Je sais pas, gros, je t'ai dit, t'as vu, c'était juste des nombres bizarres. C'est un animal, mec. C'est un renard, je sais pas. Il a... Ben non, un renard balèze. Eh, viens, on rentre chez nous, gros, c'est pas possible. Tiens, Céline, prends le frisbee. Prends le frisbee, allez, prends. Là, prends. C'est allez, viens, on y va. C'était un truc bizarre. Eh, c'était chelou, gros. Je te dis en plus. Le bruit, en vrai, il m'a fait peur. Hein. Ouais, tu rigolais, c'est bizarre. Gros, ça peut pas être le psychopathe, ça fait 30 ans il a disparu. Ça peut pas être lui, gros. Il est juste encore en train de psychoter parce que t'as vu une ombre. Ah mais tu dessus, moi. L'ombre, ça doit être le renard. C'est sûr que c'est un renard. Eh, gros. Quoi? J'ai oublié ta lampe. Non. Gros, sur l'adrénaline, je peux pas penser à ta mais lampe. Mais non. Eh, gros, Jérôme, je te préviens, on récupère juste ta lampe et on rentre. Vas-y. Juste ça. Y'a quelqu'un? Tu vois, y'a personne. Regarde. Je vais lâcher Seven, ça se peut. Ça va, il dit Seven, tu vas où? Seven, tu vas où? Tu vas où, Seven? Seven, il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Seven! Putain, il est parti où, gros? Seven! Imagine, il y a vraiment le psychopathe, imagine t'avais raison depuis le début, gros. C'est bon. Oh, c'est bizarre. Ça fait quoi, c'est magnifique. Oh, gros, je pense que c'est bon. C'est bon.